Avant que je starte Dark Souls 3, checkez ça là. J'ai gagné 3 matchs à Injustice 2 hier, puis j'ai complété un objectif belo. Mais quand il dit belo, il parle pas de en dessous là. Pas ces objectifs là, comme des fois je clique, là il y a des objectifs. Fait que j'ai fait 125 points, puis j'ai eu un achievement, fait que j'ai pu claim un autre 50 points. Fait que pour 175 points, ce qui m'a pris 40 minutes, ce qui est l'équivalent de 175 points, c'est l'équivalent de 17 cents à peu près. C'est toutes des économies que j'ai faites là, là. C'est malade. Fait que j'ai posté une vidéo de ça, je savais pas quoi jouer hier, genre après ma vidéo de Dark Souls 3. Je checkais les quests de Game Pass, puis j'avais vu ces deux affaires là, je me suis dit, ah, je pourrais m'essayer. Puis, ça a été rough à Injustice 2 parce que le jeu arrêtait pas de me crasher dans la face ou de softlock. Fait que ça m'a pris je sais pas combien d'essais. Parce qu'au début, je checkais tous les personnages, puis le jeu arrêtait pas de genre de crash ou de softlock. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait comme ok, garde, j'ai même pas le temps de checker tous les bonhommes. Je vais juste pogner genre Joker, puis mettre Batman, puis faire 3 matchs à Very Easy. Je voulais pas genre rusher ma vie, je voulais juste faire mes points vite fait. Puis c'est ce que j'ai fait. Pour Plantes vs Zombies, les objectifs qu'ils demandent, c'était comme de tuer un zombie, puis l'autre, c'était de tuer une plante. Fait que fallait que je fasse un des deux objectifs. Au début, j'ai essayé contre des bots. Parce que quand tu launches le jeu, t'es comme dans un genre de hub, que genre tu peux te promener, puis tu peux tuer des zombies, puis des plantes. Fait qu'au début, j'ai essayé là. Mais ça a pas marché. Fait que là, après ça, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer en multijoueur. Fait que j'ai essayé en multijoueur de... Ben, j'ai fait un match en multijoueur. Puis après mon match, ben, j'ai eu mon... Ben, j'ai réussi à faire l'objectif, là. Fait que c'était vraiment de tuer des joueurs plantes, des joueurs zombies. Fait que j'ai réussi à le faire, là. J'ai réussi à faire mon objectif. C'est ça, après avoir joué à Plantes vs Zombies, c'est ça, Injustice 2 où que le jeu arrêtait pas de me crasher dans la face pis de soft lock. Mais je me dis peut-être que c'est le disque dur peut-être qui fait défaut. Ça se pourrait. Le disque dur il date quand même d'un bout, mais je trouve ça bizarre que c'est juste ce jeu-là à date que j'ai eu ce problème-là. Peut-être que genre aussi qu'il est installé le jeu sur le disque dur, c'est une partie que genre le disque dur a de la misère. Je sais pas là. C'est une possibilité ou c'est vraiment le jeu qui crash quand tu... Je trouvais ça bizarre que ce soit le jeu parce que Chris, c'est... Voir que personne n'aurait genre... Voir qu'il aurait, mettons, release le jeu de même ou la patch de même ou que genre t'es dans un personnage puis tu choisis ton personnage puis le jeu il crash une fois sur quatre là. Je trouve ça louche. Fait que je me dis c'est sûrement mon disque dur. C'est dur à savoir là. J'ai pas le goût de faire comme une enquête là-dessus, puis l'essayer sur un autre disque dur, ou de réinstaller le jeu sur le même disque dur. Fuck l'enquête, là. J'avais déjà essayé Injustice 2 dans le passé, puis j'avais pas eu le problème. Mais faut dire, j'avais pas gossé autant avec Injustice 2, là. Quand j'avais joué à Injustice 2 avant ça, j'avais juste genre launché une game vite fait, là. J'avais pas checké tous les personnages du jeu, comme j'ai fait hier. Ceux qui savent pas Injustice 2, c'est un jeu de combat à la Mortal Kombat. Je trippe pas trop, mais... C'était comme un objectif dans le Game Pass, fait que je me suis dit, m'a le faire. Après ça, j'ai désinstallé le jeu. Je préfère avoir un Mortal Kombat d'installer que ça. Je suis pas un gros fan de super-héros. Même s'il y avait pas juste des personnages de super-héros, il y avait... Je pense que c'est Leonardo des Tortues Ninja. Je sais pas si c'était lui ou... celui avec l'épée. Le bleu. À moins que tu peux le changer, tu peux changer son skin. Je sais pas. Puis en passant, là, j'ai ma grosse fin de semaine de 6 jours. Fait que... Je risque de pas mal jouer à Dark Souls puis Mario Kart. Je voulais beaucoup jouer à Mario Kart le vendredi, samedi, dimanche à cause du tournoi. Même si, comme je disais, je pense pas gagner, mais ça va me faire de quoi à faire. Puis ça risque d'être le fun. C'est de quoi qui risque de jamais réarriver, j'imagine. Ou peut-être qu'ils vont le refaire pour chaque patch de course qui vont sortir.
Fait que ça, je vais jouer à Mario Kart, ça risque d'être le fun. En tout cas, j'espère que ça va être le fun. J'ai l'impression de m'enrager en tabarnak. Je m'en disais, calé, j'ai perdu 25$ de peu ou. Tellement, je change tellement à Mario Kart depuis quelques années. Hein. Et t'es premier le trois quarts du temps de la course. Là. Puis, est-ce que enfin, tu pognes un blue shell, une red shell. T'es rendu bon dernier, est-ce. Mais pourtant, tout le long de la course, t'étais premier. La calice de bullshit Mario Kart, là. Mais j'aime ça quand même. Puis, va avoir du fun, d'après moi. Là. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, c'est ça, hier, j'ai joué à Dark Souls 3. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier. Hier, j'ai battu le Nameless King. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça a pas servi à grand-chose vu que je suis obligé de battre un autre boss pour pouvoir progresser. À moins que ça a débloqué quelque chose ailleurs, mais je pense pas. Il y a quelqu'un à ma job qui m'a dit que non. Que tu battais lui, puis c'était comme un. C'était un boss optionnel, fait que là j'étais comme Bon, moi j'ai pas trop grossé pour le Nameless King. Nameless King, ça fait comme depuis une couple de jours je peux l'affronter, puis là je l'ai déjà battu. Mais j'ai deux autres boss que ça fait des mois je suis dessus, puis je les ai toujours pas battus. Surtout genre le boss de l'extension, que ça fait un méchant bout de temps que je suis dessus, puis je l'ai toujours pas battu. L'autre boss, ça fait moins longtemps que je l'ai, mais. Ben que je peux aller l'affronter, mais. Par contre, ça avance, là, quand je dis ça avance, ce que je veux dire, c'est que. Ben, tu sais, là, j'ai battu Nameless King, déjà bon signe. Mais les deux autres boss, ça va un peu mieux. Pas nécessairement à toutes les fois que je m'essaie contre les boss, mais ça va mieux en règle générale contre ces boss-là. Mais là, vu que je vais avoir 6 jours de congé puis que je risque de pas mal jouer à Dark Souls, peut-être que je vais être capable de battre un de ces deux boss-là, même peut-être les deux. On verra rendu là. C'est peut-être en fin de semaine que je finis Dark Souls 3. Qui sait? Comme je disais, quand je finis Dark Souls 3, Bloodborne. Je vais essayer de me trouver d'autres jeux à jouer durant ma grosse fin de semaine de séjour. Que Mario Kart, comme je dis, je risque de pas mal y jouer parce que je pense que par jour, tu peux faire 25 courses. Puis, je sais pas combien de temps ça va me prendre de faire 25 courses, mais j'ai l'impression que tu fais à peu près 4 courses aux 20 minutes à Mario Kart. Fait que s'il y en a 25... Ça risque de peut-être prendre 2 heures. Si c'est 25 courses que je peux faire par jour, ça risque d'être peut-être un genre de 2 heures. Ouais, peut-être un 2 heures par jour de Mario Kart, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, je me renseigne, puis je vais essayer de pas l'oublier. Tu sais, j'en parle beaucoup, là, à cet en-site, mais je suis tellement du genre à oublier, là. Comme ça, paraît que j'oublie les 3 jours, mais j'ai l'impression peut-être qu'il y a une journée, je vais comme pas pantoute penser à ça, puis moi le skipper. Si ce serait le cas, ce serait surtout vendredi, je pense que plus le skipper. Non, on va peut-être essayer de rejouer à Mario Party. Mario Party, puis tu sais, comme je dis, j'avais comme noté plein de jeux à jouer. Au final, genre dans ces jeux-là, j'ai pas joué à grand chose. J'avais joué à Sim, puis c'était cool, une soirée Sim. Mais je pense pas rejouer à Sim de sitôt.
Faudrait aussi je repense à recharger mes manettes de Switch. J'ai peur de que mes. Mettons, genre, je manque une course à Mario Kart ou le tournoi, puis à City. Je manque une course. Ben, je manque une course. Tu sais, genre, j'arrive. Je me positionne pas super bien dans une course parce que j'ai manqué de batterie, puis ça donne que j'ai pas eu la carte de 25$ à cause de cette course. Ça me ferait chier en tabarnak. Ben, c'est pas tant fin du monde que ça. C'est juste 25$, hein. Qui équivaut à peu près 2 heures à ma job. À peu près. Même un petit peu moins que 2 heures. Non, puis parlant d'argent, c'est ça. T'sais, moi, j'ai déjà fait ma déclaration d'impôt pis tout. Puis j'ai su à midi que supposément que, en tout cas pour le monde au Québec, là, que il allait redonner 500$ à tout le monde qui avait fait moins de 100$, moins que 100 000 de revenus durant l'année, ce qui est mon cas. Fait que je devrais recevoir un autre 500$ éventuellement. Ceux qui ont pas reçu déjà leur argent de déclaration, ben des impôts, ils vont le recevoir, je pense, en même temps que quand ils vont recevoir leur argent d'impôts. Mais moi, j'ai déjà reçu mon argent des impôts. Fait que ce 500$-là, j'imagine que je vais le recevoir éventuellement. Ça va être cool. Toujours le fun d'avoir de l'argent de plus. Même si cet argent-là, j'ai l'impression que je vais juste le laisser en banque. Ça, ou je vais dépenser dans un jeu vidéo. J'achète tellement de jeux vidéo. J'en achète beaucoup, mais ces temps-ci, je me limite pas mal. Là, tantôt, je parlais de jeux vidéo avec un gars à ma job, puis ça m'a comme donné le goût d'en acheter une coupe. Déjà hier je parlais faudrait que j'achète des jeux sur Wii U. Mais là on parlait de jeux genre Super Nintendo 64. Là ça m'a donné le goût d'acheter des jeux de Super Nintendo. J'ai le goût aussi d'acheter des jeux de GameCube. 64 pas trop parce que genre j'ai quasiment accès à tous les jeux de 64, soit sur ma 64 ou via la Switch ou via ma Xbox. Sur Xbox, j'ai pas tant de jeux de 64 que ça, mais même ma Switch, j'ai pas tant de jeux de 64 que ça, mais genre sur ma 64, j'en ai beaucoup. C'est comme des classiques, comme elle va sortir un jeu, là. Wayne Gretzky, 3D Hockey, Mario Party 3, quel autre jeu, là, qui est un classique? War Gods, Bomberman 64, The Second Attack, Rainbow Six. Si j'ai d'autres. Revolt. Qu'est-ce que c'est ça? Stunt Racer, Stunt quelque chose. GT 64. Duck Dodger. Snowbird Kids. Dans ma tête, c'est comme si j'allais pogner un jeu et ça allait être un jeu de sport. Ben, Snowbird Kids, oui, c'est un jeu de sport, mais c'est comme. Pas vraiment un jeu de sport. Ben, oui, c'est un jeu de sport. C'est du snowboard, mais. C'est comme snowboard arcade, genre un genre de Mario Kart mais en snowboard. Dans ma tête, c'était comme j'allais pogner genre NHL 99, puis après, j'allais en pogner un autre, puis ça allait être genre, je sais pas, moins NBA 98. Enfin, je pensais que j'allais en pogner une coupe, parce que j'ai beaucoup de jeux de sport dans ma collection de jeux de 64. J'en ai énormément, me semble. Et j'étais comme, ah, elles sont pas chères, je vais les pogner. Puis au final, genre, j'y joue même pas. C'est sûr que j'aurais plus de chance que je joue, c'est peut-être les jeux de luxe, mais encore là. Mais ouais, j'aimerais ça, mais augmenter ma bibliothèque de jeux de GameCube. GameCube, Super Nintendo, Wii U, quoi d'autre? PS2, PS1, ce serait des consoles, j'aimerais ça, genre, grossir ma bibliothèque. Mais d'un côté, je me dis, genre, j'ai plein de jeux, j'ai un paquet de jeux que j'ai pas joué encore, dont mes fameux jeux de sport. Faudrait, genre, plus j'en profite des jeux que j'ai, puis aussi le fait que, genre, j'ai pas beaucoup de sport chez nous en ce moment, fait que ça me donne pas tant le goût de ça, d'acheter d'autres jeux, puis tout. Et j'en achète encore, là. Mais je veux pas comme m'acheter une badge de 1000$ de jeu pis le faire comme.
Dans le fond, quand j'ai acheté ma 64, il y a... Ça fait quoi, 3 ans de ça à peu près? Il y a 3 ans de ça, j'ai comme commencé à travailler à ma place que je travaille. Puis comme quasiment dans mes premiers achats que j'ai faits, pas nécessairement mes premiers achats que j'ai faits là, mais... Comme quasiment à une de mes premières payes, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un 64. Puis avec genre 1000$ de jeu de 64. Je dis 1000$, je sais pas combien ça m'a coûté, mais c'était comme à peu près dans les 1000$. Et j'en ai commandé pas mal de jeux de 64. J'ai regardé les jeux, puis comme, ok, je vais poigner celui-là, celui-là, celui-là. J'en ai acheté pas mal. Au début, je trouvais ça. J'étais comme, Chris, j'en ai acheté bien trop, puis tout. Puis même encore aujourd'hui, je me dis, il y en a que j'aurais peut-être pas dû acheter. Il y en a que c'était pas mal sur un coup de tête. Il y en a que j'ai joué. Il y en a que ça m'a pris du temps avant que j'aille y jouer. Au final, je regrette pas de perdre ça. En règle générale, je regrette pas. Il y a des jeux, comme je dis, ouais, ça valait peut-être pas trop le coup de les acheter, mais il y en a que je suis bien content de les avoir achetés. Genre GoldenEyes, je suis bien content. Gex, même affaire. Il y a un paquet de jeux que je suis vraiment content de les avoir achetés, mais il y en a que un petit peu moins. Mais quoi qu'il y en a que, mettons, je me dis, j'ai pas joué, mais ils ont pris de la valeur depuis ces 3 années-là. Non, je n'avais acheté pas mal de jeux, puis... Je pense qu'après ça, j'ai re-eu une autre passe d'acheter plein de jeux de 64. Je pense que l'autre passe était moins pire. C'était plus quand j'ai vraiment eu mon 64, que là, j'en avais acheté pas mal. Mais c'est ça, j'ai eu une autre passe de racheter une grosse batch de jeux de 64. Puis, je pense qu'après ça, ma grosse batch de jeux de 64 que j'avais acheté, c'était comme des jeux, je me disais, oh, je pourrais peut-être faire des long plays dessus. Au début, les premiers jeux que j'avais achetés sur ma 64, c'était comme des jeux que soit que genre, j'y tenais beaucoup à les avoir, ou c'était des jeux que je me disais, ah, je préfère des vidéos guides sur ce jeu-là. C'est ça, puis après ça, à un moment donné, j'ai fait comme, ah, je vais m'acheter une autre batch de jeu, puis une autre grosse batch de jeu plus tard, pour faire des longs plus sur ces jeux-là, puis c'est ça. Mais c'est ça, j'aimerais ça grossir ma collection de jeux à un moment donné, là, mais comme je dis, c'est ça, je manque d'espace, puis faudrait que je mette mes priorités ailleurs que les jeux vidéo. Ça, c'est quoi que je me dis, puis des fois, j'ai vraiment de la misère avec ça. Quand je mette mes priorités ailleurs, le fait de déménager, ce serait un gros point. Pour moi, si je déménagerais, je préfère comme une pièce gaming, puis consacrer vraiment une pièce pour le gaming. Que là, vu que je suis chez mes parents, tout est dans une pièce, puis c'est comme Chris, manque d'espace. Il y a d'autres consoles que j'aimerais ça avoir aussi, mais je suis comme. C'est ça, un manque d'espace. Puis, déjà, j'ai pas mal de consoles en ce moment. Il y en a d'autres qui m'intéressent, genre la Xbox normale, la NES, la Dreamcast, la Saturn. C'est des consoles qui m'intéresseraient à avoir. La PS TV, qui permet de jouer à des jeux de PS Vita. Il y a peut-être d'autres là, qui me viennent pas vraiment en tête. Genesis, ça serait pas pire. Mais ça serait pas pire. Puisque ces consoles-là, c'est comme j'aimerais ça les avoir, mais d'un côté, il n'y a pas tant de jeux que ça qui m'intéresse. Puis déjà, mettons, je prends le Super Nintendo, que j'en ai une, Super Nintendo, puis j'ai pas beaucoup de jeux dessus. Et j'aimerais ça grossir la collection, mais d'un côté, il n'y a pas tant de jeux que ça qui m'intéresse à acheter, à part si c'est pas trop cher. En tout cas.
Ah, c'est ça. Éventuellement, là, je vais retrousser ma collection. En tout cas, j'espère un jour. Aussi genre Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Quoi que ça me dérange pas de, mettons, de... C'est ça, de continuer à acheter des jeux, pis... Juste de le faire, mais c'est juste pour, faut que je me watch de pas acheter genre pour... 1000$ de jeu, parce que comme je dis, c'est, je manque d'espace. Je manque d'espace, pis à mon avis, je devrais pas mettre autant d'argent dans les jeux vidéo. Là. Je suis quand même content d'avoir acheté ma 64, surtout qu'à cette heure, ces jeux-là valent plus cher qu'à l'époque. J'ai d'un côté, je me dis que j'aurais dû faire ça pour la GameCube il y a une couple d'années, puis je l'ai pas fait. Puis dans cette heure, c'est ça, ces jeux-là valent plus cher. Peut-être que mon vont dropper de prix, j'ai l'impression que ça va juste devenir de pire en pire au fil des années, mais c'est encore drôle. Tu sais, les jeux peuvent prendre de la valeur, mais ils peuvent aussi en perdre. Tu sais, exemple... Si, mettons, Nintendo sort des jeux de GameCube sur leur Switch, ben, ça pourrait faire en sorte que certains jeux de GameCube drop de prix. Mais aussi, ça pourrait faire en sorte que je vois plus trop d'intérêt à acheter certains jeux à cause que je peux y jouer sur Switch. Un peu pour la 64, que il y a bien des jeux que j'ai... Il y a bien des classiques sur 64 que, genre, je peux pas jouer en ce moment. Fait que je peux pas jouer sur ma 64, mais c'est comme... J'ai une alternative à ça, genre, je peux y jouer sur, soit sur ma Xbox ou sur ma Switch. Puis même la Wii U. Mais quoi que le seul jeu sur Wii U que j'ai de 64, c'est Donkey Kong 64. Il m'en manque pas gros pour pouvoir leveler. Je vais essayer de leveler une shot, puis après ça, on va aller me réessayer contre un boss. Non, je pense que qu'est-ce que je vais faire? C'est ça, je vais leveler une shot. Dépendant quel stat que ça me donne. Si ça me donne un stat que je suis content du stat, je vais aller m'essayer contre un boss. Si j'augmente la calice de lock, non, je n'irai pas m'essayer contre un boss. Je dis la lock, mais genre même attunement, intelligence, fate, si c'est un de ces stats-là, je n'irai pas m'essayer contre un boss, puis je vais juste refarmer un autre level. Je pense que c'est le même que je vais procéder pour l'instant. Puis je vais m'essayer contre les deux boss, à moins que si jamais je bats un des boss, j'irai pas m'essayer contre l'autre vu que je vais avoir pas payé d'armes. Après ça, je vais vouloir genre farmer un level. Aujourd'hui, j'ai toujours pas joué à Dreams. Hier aussi, j'ai pas joué. Ça faisait comme... Je me souviens qu'en fin de semaine, je disais comme, ok, lundi, mardi, mercredi, durant mon dîner, je vais essayer de jouer à Dreams. Au final, j'ai juste fait genre lundi, puis après ça, j'ai comme... J'y ai pas joué. Je pense... Je vais essayer de pas y jouer non plus en fin de semaine. Quitte à remettre ça à mercredi, jeudi, vendredi, dîner prochain. Ben, mercredi, jeudi, vendredi prochain. Ouais, pas prochain, plutôt de la semaine prochaine. Oups, je peux leveler. Puis ce serait durant mon dîner que je vais faire ça.
Là, je vois que genre je fais un petit peu moins d'abonnés que d'habitude, puis les views aussi, ça commence à dropper. Ça fait un petit bout que je fais plus vraiment de Warrior Person, pour dire, à part les petits shorts que j'ai faits. Mais... Ok, je vais me concentrer à leveler. Fait que j'ai un stat à leveler en ce moment. Donc, ce qu'on voit bien, le stat que je vais augmenter est la force. C'est bon. Je suis content. Ça fait depuis quelques vidéos que j'augmente pas pire la force. Je l'ai augmenté genre 3 fois récemment. En quelques jours. Il est bon. C'était mon stat le plus faible. Puis là, c'est mes stats jouent entre 30 et 40. Contrairement à l'autre jour que c'était comme ça jouait entre 27 et 40, mes stats, là, c'est vraiment entre 30 et 40. Et ça va faire en sorte que j'attaque un peu plus fort, puis je vais avoir un petit peu plus de défense au feu. La défense au feu, ça va m'aider contre... Les deux boss, ça pourrait m'aider contre. Puis attaquer plus fort, ben, ça va m'aider pour les deux boss aussi. Ok, j'augmente ça. Puis là, il me reste un petit peu d'armes, je vais aller les dépenser ici. Ou ouais, je vais aller voir ici. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui vendait des Ember, me semble. Do not be gone from what is it? Pas lui. Lui, il me semble, m'a donné là, quelque chose l'autre jour, puis m'a semé, puis c'est quoi. J'avais dit comment, je vais regarder ma vidéo, puis au final, je l'ai juste pas regardé. Parfois, c'est de quoi de super important, puis. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a donné. Dans le fond, il m'a donné une arme super bonne, puis je m'en suis pas rendu compte. C'est tellement mon genre, des fois, de pogner des affaires super bonnes, puis juste comme. Pas m'en rendre compte. Okay, je vais y acheter des flèches aussi. Goodbye. Reste 5 sauts. Je pense que je peux-tu acheter quelque chose avec 5 sauts? Faut voir que je pense à revendre des flèches. Ashen. Ok, je pense qu'après ça, si je manque ma shot contre les deux boss, je vais aller vendre du stock, puis après ça, je vais aller farmer. Je pense que c'est même que je vais procéder. Fait que je vais commencer par ce boss-là, vu qu'il est genre direct en côté du bonfire. L'autre, j'ai comme un chemin à faire, puis je suis tellement paresseux que je vais faire les messieurs contents. Je pourrais invoquer quelqu'un qui est juste ici, mais comme je dis, je veux pas invoquer personne. Si jamais à un moment donné je suis level, mon level est comme dans le tapis, puis je suis vraiment pas capable de battre aucun boss, là je vais penser à invoquer du monde, mais encore un méchant bout de chemin avant de me rendre là. Je suis juste niveau 225. Tu me préparer avec ça. Oh, j'ai le temps. Cette partie-là, là, à... Comment dire? Oh, fuck. Sûr. Ouais, mais il est direct au début du combat. Ben, au début de la deuxième phase. Il y a des bons moments pour se healer contre ce boss-là.
en phase 1. En phase 2, moins. Pour la phase 2, j'aime bien ça y aller avec des attaques à distance, à part quand casse heal. Au début de la phase 3 aussi, ça va bien se healer. Mais au début de la phase 3, là, je rush ma vie. Là, le point que je me suis rendu en phase 3, c'est à peu près la moitié de sa vie d'enlever. Puis je pense que ça m'arrive peut-être deux fois, mais en règle générale, elle me casse une volée assez vite. Puis, il me reste des astuces de vie, genre généralement, quand j'essaie la phase 3. Ben, quand je me rends en phase 3, mais je rush ma vie. Là, genre, elle me barge dessus, là, comme ça se peut pas. La phase 2, ça va généralement bien. La phase 1, un petit peu moins. Je crois que là, ça a quand même pas pris bien été en phase 1. Mais la phase 2, généralement, là, genre, je vais me faire hit quelques fois. Puis des fois, c'est comme je me fais hit, mais pratiquement rien. Tu sais, quand elle fait son attaque de glace, ça m'enlève un peu de vie. Mais c'est sûr, si je reste longtemps ou que ça glace, ça va me faire beaucoup de dégâts. Mais des fois, ça me fait juste un petit peu de dégâts. That's it. Je pense qu'il est parti. Mais c'est pas pire parce que moi, ma vie en ce moment, elle fait tout ça. C'est ça, ma vie, elle récupère tout ça. Fait que là, mettons, genre, j'ai eu du dégât. Mais. C'est pas si pire, ça vaut pas la peine de vraiment me healer. Je peux attendre. Surtout comme je disais, comme quand que le combat commence la phase 3, t'as un petit peu de temps pour te healer. Genre j'ai le temps de me faire de pogner un sort pour me healer. Et non de pogner une essence de vie, parce que les essences de vie, je préfère les garder pour la fin du combat. Ou durant cette phase-là, ça va pas bien, mais généralement. Bon, en règle générale, dans cette phase-là, je vais prendre 0 ou peut-être. Un ou deux astuces de vie. En phase 3, généralement, je vais les utiliser là, mais des fois, j'ai même pas le temps de les utiliser vu qu'elle est très agressive comme boss. C'est parti. Là, j'ai mal joué là-dessus. J'étais comme moi, je vais la tuer direct là. Puis au final, j'ai manqué ma shot d'un red. J'ose pas, mais il est. Je suis sûr que je vais l'avoir, genre. Ben, l'avoir. Cette phase-là, je pense que je vais l'avoir. Là. Et voilà. J'aurais dû mettre l'autre sang, là, si. Voyez, tu sais, pour genre que ma vie, elle se récupère tranquillement, pas vite. Là. Et elle est de même. Mon stand. Là, je suis prêt. Ouais. Là, on va me faire une attaque. Il y a cette attaque-là, après ça, on va me sauter dessus. Je sais comment il est agressif, mais là, ça a pas été sûr. C'est pas super.
les mêlées. Ah, j'ai tellement pu... J'ai failli l'éviter, ça, en plus. C'est ma meilleure shot à date. Ah, ça aussi, j'aurais pu l'éviter. Oh, liste de mort. Hey, sérieux, là, ça s'en vient pas pire, le compte. Il reste encore deux astuces de vie. J'ai vraiment mal joué à la fin, là. Vous voulez pas au bon moment, puis ah ouais, donc, on se réessaye avec un Ember, ce shot, là. J'avais bien récupéré mes hommes qui sont au boss. On est perdu tellement. Ah, j'aurais dû... Fuck. J'aurais dû mieux me préparer pour le boss. Genre... Parce que quand elle tombe en phase 3, je pourrais toujours me mettre de quoi pour faire plus de dégâts, mettons, de poison, pis de booster ma... ma défense. Ça, j'ai évité ça. Temps d'en mettre un, je vais essayer d'en mettre un deuxième. Fait que peut-être qu'avec ça, ça va mieux aller en phase 3. Mais tu sais, peut-être que j'aurai pas le temps non plus de les utiliser. Là. Mais tu sais, là, avec une barre de vie un peu plus grosse, c'est un gros plus. Même si c'est pas tant plus grosse que ça, mais quand même un peu. Check bien ça, elle va me crisser une volée en face 3 pour être comme ça. J'aurais dû utiliser l'Ember avant. Elle, si j'abats, je suis sûr que je peux avancer dans l'extension. En tout cas, je l'espère. Ça me surprend bien gros, c'est un coup de sac. C'est le premier boss que je rencontre dans l'extension. À moins que je n'ai skippé un. Mais de la façon que je me suis fait dire ça par quelqu'un à ma job, c'est que je vais être capable de continuer. Je l'ai écouté de travers, peut-être. Oh shit. Change, j'ai pas pu faire de son. Me sauter dessus? Non. Elle doit être sur le bord d'essayer de s'y. Parce que là, j'étais juste en côté. J'ai trop ambitionné. J'ambitionne souvent quand elle réussit à vraiment se guider. Quand elle s'y pas vraiment, je m'en fous un peu plus. Je vais l'aider genre une fois ou deux. Mais des fois, on dirait que c'est comme elle s'y trop, puis là, je suis comme en tabarnak. Il faut que je la tape genre jusqu'à temps que j'aille plus de stand. Moi qui cours pas. Et surtout que je vois la glace à terre, j'ai comme un 2-3 secondes que je peux me dire comme je pourrais courir, mais non, tu le fais pas.
Elle doit être sur le bord d'essayer de se réguler. Hein. Yasser. Ben, je dis Yasser, pas vraiment Yasser, mais oui, Yasser. Deux shots, je pense pas. Ça serait cool aussi commencer à Phase 3 avec genre quasiment toute ma vie. Fait comme ça me laisse vraiment le temps d'utiliser genre qu'est-ce que j'ai préparé pour la troisième phase. Puis comme là c'est pas pire, j'ai quasiment toute ma vie. Fait que si je tombe en troisième phase, je vais plus être porté d'aller utiliser mes les systèmes que j'ai mis dans mon en inventaire. Fait que, les systèmes que j'avais dans mon inventaire que j'ai mis comme équipé. Je sais pas. Et c'était peut-être pas le bon moment. Ça, elle doit être sur le bord d'aller s'équiper. Ah ouais, elle est partie guider. J'aurais pas dû l'attaquer deux fois, mon chien. C'était stupide de ma part. Celui-ci, ça va être stupide. Ok, fait que là, faut que je me prépare. Ça. Pas que ça. 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 Puis là, je suis prêt. Ça a passé proche, là. J'ai comme. J'étais pas trop sûr de ce que je faisais, là. J'étais tellement mort là. Là. Ouais, j'ai été chanceux là-dessus, en même temps d'être malchanceux de la manquer. Si moi aussi je l'ai manqué, tabarnak. Je vais mettre invisible, j'aurais le temps de me healer avec mon son. Elle me tue. Ah, fuck, pas cette attaque-là. Ça va faire beaucoup de dégâts. Ah, oh, fuck. Bon, au moins, ça n'a pas fait tant de dégâts que ça. Là. Je vais récupérer du stam. Ça peut se remettre invisible. Ah, oh, c'est ça. Je me
descendu à peu près. C'est ma meilleure shot. L'autre shot d'avant, c'était ma meilleure. Je pense que c'était ma meilleure. Bon, ben, je vais aller m'essayer contre l'autre boss. Tu sais, comme là, je commence à le sentir, là, que c'est comme ça s'en vient, là. Ce boss-là, là, est sur le bord de crever. Dans le fond, je dis ça, mais je vais me réessayer, genre, demain, puis je vais, comme, tu sais, je vais avoir de la misère au début de la phase 3, là. Je préfère passer à l'autre place. Par contre, pour ce boss-là, je vais enlever ça pis ça. Peut-être que, tu sais, qu'est-ce que j'ai mis, là, que j'ai utilisé au début de la phase 3, peut-être que j'aurais pu le réutiliser quand elle se mettait invisible, tu sais, je me healais, mais... Ok, je suis calme. Moi, c'est ça, j'aurais peut-être pu l'utiliser, genre, pendant qu'elle se mettait invisible, ça m'aurait peut-être beaucoup plus aidé à peut-être moins utiliser des astuces de vie, puis... Peut-être être plus porté à l'attaquer. On manquait pas gros, là. Ça fait chier, mais... Ça s'en vient, ça s'en vient, là. Un moment donné, on va l'avoir. Vu ce boss-là, j'ai beaucoup moins d'espoir de le battre, contrairement au boss de l'extension. Je suis capable de me rendre en phase 2, puis à faire du dégât en phase 2, mais... ça va pas super bien. Pourrait tellement chemiller. Quand je fais ça, au moins, ça me permet de me rendre en phase 2 pas mal plus vite. Fuck, j'ai manqué ma shot. Mais généralement, après cette attaque-là, j'ai le temps de me healer, mais là, non. Phase 2, il va falloir que je me hie direct. Il faut que je me cache. J'aurais dû garder du temps, mais c'est... Bien sûr, moi je suis pas mort. C'est ma meilleure shot à date. Je me pousse qu'elle va faire une grosse attaque. J'aurais dû en profiter pour me healer ici. Ah, là j'ai le temps.
peut-être pas. Comme ça, on va se téléporter vers moi. J'étais tellement pas prêt à ça. Là. Ben, c'est ma meilleure shot là, à date contre ce boss là. J'ai pas le goût d'utiliser un burr par exemple. J'utilise un burr. Oh oui donc. Là je pense pas l'avoir là, mais. On va peut-être me donner un petit plus. Là. Mais tu sais, ça va mieux là contre ces boss-là. Là. Mais tu sais, comme je dis, la force de leveler, ça me donne un plus. Tu sais, j'attaque plus fort, plus de résistance. Tu sais, quand il faisait sa grosse attaque, là, qui se met genre full loin, puis qui a full de range l'attaque, là. Avant, il tuait one shot avec cette attaque-là. Elle sort un petit peu one shot. Puis non seulement ça, mais j'en dis un petit peu meilleur pour l'éviter. Ça paraît pas, mais je suis capable de l'éviter des fois. Là, il se téléporte à moi. Il fait, à toutes les fois, il me punk. Ben, pas à toutes les fois, mais quasiment. Et là, j'ai joué comme une marde là-dessus. Ouais, j'ai vraiment joué comme une marde. J'ai comme. J'étais invincible, j'étais invincible. Mais non, parce que tu pognes un burger, t'étais invincible. Parce que j'ai un moment donné, je voulais comme tellement genre essayer de le knocker pour y enlever full de vie, ça a juste pas marché non plus. Regarde, fuck off, je vais aller releveler. Mais avant, je vais aller là-bas vendre une coupe d'affaires. Et comme ça, ça va me paraître moins long farmer. Il y a des flèches, je commence à en avoir pas mal, puis j'ai peur à un moment donné d'en avoir genre dans le tapis. Non, c'est pas elle, faut que j'aille voir. Ouais. Comme ça, je vais en vendre 5. Comme ça, je vais les garder. J'en ai quasiment plus. J'en avais beaucoup à un moment donné, puis là, à ce temps, j'en ai quasiment plus vu que c'est. J'en pognais beaucoup, parce qu'à un moment donné, c'était comme une place où que je farmais que j'ai pogné. Master, je vais plus farmer là vraiment. À part des fois quand je fais comment. Je reviens sur des pas, puis à un moment donné, je monte au monde, genre, ah, j'ai déjà farmé à cet endroit-là, moi. Ça, je vais en vendre. Aussi, je vais en vendre 5. Le reste, je suis good. Je vais avoir une coupe d'armes à vendre. Si je vais en vendre. Ça me donne pas beaucoup d'armes. Ça, je pense que c'est des flèches qui me coûtaient 50. Là. 99 ans. Mieux que rien. Quoi qu'à les vendre, ça me. Ça... Je gaspille plus de temps. Et je pourrais prendre ce temps-là pour farmer les ennemis qui me donnent pas mal plus d'armes.
de vendre ses affaires là. Je pense, ouais, je pense que c'est tout. Quoi, je dis c'est tout, je vais retourner. Je vais en vendre encore un peu. Ça. On va en vendre 99. Je sais pas transférer celui-là. Les flèches. Et voilà. Fait que je vais retourner farmer. Ça s'améliore mon affaire, mais j'ai toujours pas battu là, mais une base de l'extension, je commence à avoir de plus en plus d'espoir. Comme l'autre jour, j'étais comme à moitié de sa vie, puis j'étais comme ah, ça s'améliore, puis là trois quarts de sa vie dans le B, ça devient de mieux en mieux. Ben ça revient pas de mieux en mieux, mais en règle générale, je dirais que oui. Mais tu sais, ça m'arrive encore, mettons, quand même Christine volait en première phase ou au début de la troisième phase, mais je suis capable de me rendre plus loin, pis je vois qu'il y a du progrès. Et comme je disais, les premières fois que je l'ai affronté, ce boss-là, j'étais même pas capable de la hit une fois, pis elle me tuait, pis j'étais comme, faut vraiment que je l'affronte. C'était juste la première phase. Par contre, je vais essayer de me trouver quand même quelque chose d'autre à jouer pour asseoir. J'aimerais pas ça juste. J'aimerais ça genre switcher dans la soirée pour un autre jeu. Peut-être retourner sur Mario Party. Mario Kart, non, parce que vu que je vais jouer pas mal en fin de semaine, j'ai pas le goût de trop jouer pour m'écœurer avant la fin de semaine. Même si, comme je disais, ça pourrait m'aider pour le tournoi, mais t'sais, c'est juste un 25$, là, faut pas virer fou. Là. Pas comme si c'était le 25$ qui va sauver ma vie, là, c'est. C'est 25$. Là. C'est l'équivalent de 1h30 de travail pour moi, à peu près. Là. C'est quoi que j'avais noté comme jeu qui m'intéressait? J'en avais noté une couple, il y en a déjà que j'ai en tête là, mais. Peut-être essayer de retourner sur Risk. Fait un bout, j'ai pas été voir si. Peut-être que je serais capable de trouver du monde à soir, mais. J'avais noté Dark Souls 3. Ouais, Dark Souls 3, ça serait pas pire après ma game de Dark Souls 3. Mario Kart 8, c'est comme je disais, je voulais pas m'écœurer. Mario Party, Star Hero. Quoi d'autre? StarCraft 64, Turtle in Time, PD2, Rift, Civilization, Perfect Dark, Zombie Army, Hitman.
faudrait que je me mette des genres de petites coches pour genre savoir lesquelles ça me tente un peu plus que d'autres. Je dis des coches, mais pas des coches, parce que si je mets des coches, ça se peut que j'arrête ma vidéo, genre subitement. C'est un raccourci clavier pour arrêter ma vidéo, ok. Je vais y aller de même, ok. Fait que... Je vais pas mettre Mario Kart, parce que... J'ai peur de m'écœurer de Mario Kart avant vendredi, samedi, dimanche. Je vais mettre Mario Party. Ok, je vais mettre Guitar Hero, mais juste pour faire une connerie sur Guitar Hero, sûrement. C'est ça, je m'avais dit comment je vais le faire, puis au final, je l'ai juste pas fait. Je voulais faire genre un Air Hero, genre, mais je voulais pas vraiment jouer genre une heure de temps à Guitar Hero. Je voulais genre peut-être faire juste une tune, ou peut-être vraiment faire une heure de Air Hero, voir de quoi ça donne. Mais je pense que je vais juste faire une tune, puis si jamais ça pogne cette vidéo-là, peut-être en faire d'autres. Genre de Air Hero, là. Genre chanter full crush avec de, en faisant la guitare pis tout. Là. Je vais mettre ces jeux-là aussi, genre StarCraft 64, TMNT, PD2, Rise, Civilization. Je vais les mettre en haut. Et c'est ça, là en ce moment j'ai comme ma liste de jeux que je veux jouer. Là je suis en train de comme la séparer en deux. Genre ceux que ça me tente vraiment, puis ceux que ça me tente moins. Perfect Dark Zombie Army Hitman. Hitman, je vais le mettre en haut. Hitman. Là, j'ai tellement de jeux en haut que la voiture va voir que je repasse genre comme lequel que je joue next. On va peut-être en jouer plusieurs à soir, je sais pas. Conquer PBD. Mets-tu DBD? Je vais mettre DBD. Même si ça me surprendrait bien. Je sais pas, je vais peut-être aller sur DBD. Genre, je suis là-dessus. Je travaille sur DBD, genre 40 heures semaine. Puis, des fois, je joue en même temps. C'était plus au début, là, quand j'ai commencé à travailler sur le projet. Il me sait de travailler, j'avais travaillé genre 40 heures semaine sur le jeu, puis le vendredi je jouais genre 8 heures de plus chez nous. Je vais peut-être jouer là ce soir, je sais pas. Si je joue, je risque de jouer genre Survivor. Je sais pas. Conquer Dead Rising. J'avais mis Dead Rising dans mes choix. Peut-être jouer au sandbox, mais j'ai pas le goût de faire genre la campagne. Puis Emily wants to play 1 et 2, fuck off. Evil Within, non plus. Je pense que j'aurais l'effacer d'Evil Within de ma liste. Je pense que je vais l'effacer.
Medieval Within, je me dis, je jouerais genre une campagne au complet. J'ai pas le goût de faire une campagne au complet à soir. Medieval Within. Je me disais peut-être au plus tough, mais non, regarde, fuck off, moi l'enlever. Vendredi 13, Five Nights at Freddy, Goat Simulator, Geometry War, Outlast, Rayman, Raving Rabbit, Resident Evil Resistance, Sea of Thieves, Slender, Drum Master, Time Splitter, Rainbow Six, Tony Hawk, Tropico, Star Wars Clone Wars, je peux le mettre en haut ça. White Noise 2, Worms 3, White Noise 2. Non, pas White Noise. Ça en aurait été au mois d'Halloween, au mois d'octobre peut-être, là, mais là non. C'est un bon jeu, mais tout seul, avec des bots, ne tente pas trop. Il y a du monde qui joue au jeu, mais il n'y a pas grand monde qui joue à ce jeu-là. J'ai l'impression que je vais me ramasser avec des bots. Worms 3D, bof. Deal un OD, je vais le mettre en haut. Puis Dead or Alive Volleyball aussi. Là, j'avais mis Teletubbies. GTA, NHL Hits, puis un jeu japonais que j'ai de la misère à prononcer. Donc là, à date, ma liste, ce serait Mario Party, Guitar Hero, StarCraft 64, TMNT, PD2, Risk, Civilization, Hitman, DBD, Star Wars Clone Wars, Deal or No Deal, Dead or Alive, Volleyball. Donc là, ce serait la liste que je jouerais peut-être après cette vidéo-là. Guitar Hero, ça pourrait être genre vraiment drôle. J'ai l'impression que ça pourrait être vraiment drôle, mais reste genre. Je vais-tu oser le faire? J'imagine que oui. Ça me dérange pas trop de faire une connerie de même, genre de Air Hero. Pourrais-je me prépare à l'avance, pis quitte à genre m'écrire un petit peu un genre de petit texte pis tout. Ça pourrait être drôle, je sais pas. J'ai comme, je veux, parce que le Air Hero, ça fait un bout que je réfléchissais. Puis j'avais vu une vidéo, genre quelqu'un faisait du doublage québécois, puis faisait comme une toune, ben, faisait du doublage québécois, puis il chantait une toune, ok? Puis c'était une toune qu'il y a dans un des Guitar Hero, puis je voulais refaire à peu près la même affaire. Mais genre en jouant à Guitar Hero. Genre je m'aurais filmé pis j'aurais mis genre l'écran de Guitar Hero. Pis... Je voulais faire ça. Mais je suis comme, je le fais-tu ou je le fais pas, je sais pas. Bon, au début à la base c'était pas cette tune là je voulais faire. Au début je voulais juste faire genre du Air Hero. Genre chanter les tunes de Guitar Hero. Pis faire la guitare pis le drum pis la bass genre. Par ma bouche là pour... En jouant à Guitar Hero. Je vais faire ça. Ça, c'est encore dans mes plans. Mais je pense que j'irais plus avec genre juste faire une tune. Si jamais cette tune me pogne, genre, je fais comme un Air Hero. Genre, au lieu de jouer à Guitar Hero, faire un genre de. Au lieu de jouer à Guitar Hero pendant une heure, puis faire en sorte que ma vidéo soit pas monétisée ou bloquée dans le monde entier, mais faire genre une heure de Air Hero. Ça serait dans mes plans. Sinon... Ouais. C'est ça. Mais peut-être à la fois, je vais en jouer comme une troupe. Que l'affaire de Guitar Hero, ça risque de pas durer longtemps. Si je le fais. Que je risque de faire juste une tune puis après ça arrêter. Deal or No Deal aussi, ce serait genre une vidéo vraiment courte. Je
vais faire même un live de Deal or No Deal, mais je sais pas. J'ai peur que, genre, qu'il y ait juste genre une personne qui regarde, que ce soit genre un... m'en allait dire quelque chose, mais... Alors, quelqu'un qui parle pas, genre, français. Ou... en anglais, c'est pas si pire, mais genre, quelqu'un qui parle pas français ou anglais, ça va être pire. Puis même là, en anglais, je suis pas super à l'aise. Parce que s'il y a juste quelqu'un qui me répond en anglais, ben, je vais me sentir obligé de parler en anglais, puis je suis de la... je suis une calisse de merde en anglais. J'ai une merde en français aussi, mais en anglais, c'est pire. Mais là, imagine si, mettons, c'est quelqu'un qui parle, genre, portugais, ou espagnol, ou italien, puis je parle pas un estimo, fait que, comme... ça va être de la merde, fait que je penserais plus faire ça, genre, une vidéo en français, puis that's it. Et mettons, genre, c'est ça, j'ai noté comme une couple de jeux que ça me tente un peu plus que d'autres, mais les jeux, c'est ça, ça va... Si je fais une vidéo en soir, ça risque d'être pas long, genre, comme c'est ça. Guitar Hero, ça risque d'être pas trop long. Je pense que ça va être plus, genre, édité, puis peut-être je vais me reprendre une couple de fois avant de faire la vidéo. Parce que, comme je disais, pour l'affaire des Guitar Hero, ce serait, genre, je vais peut-être me préparer un petit texte, puis... chorégraphie, je sais pas, là, je dis une chorégraphie, je dansera pas, là, mais, tu sais, genre... chorégraphie à guitare, ou impressionner le monde. StarCraft 64, je ferais genre une petite game. Si c'est Mario Party, ben c'est une game de 30 tours, ça va être long, ça va être genre 2-3 heures. TMNT Turtle in Time, ça va peut-être genre prendre une heure. Ça serait genre faire un genre de long play, mais commenté. Payday 2, ça serait genre juste faire une coupe de map, j'imagine, dépendant comment j'ai du fun. Risque, c'est si j'ai du monde avec qui jouer. Ça me dérange pas de jouer avec du monde random, mais j'ai pas le goût de jouer contre des bots à soir. Si je joue à Risque, Civilization, ben. Civilization, ça me dérange pas de jouer contre des bots, mais je préférerais aller jouer à Risque que Civilization. Hitman, ce serait du niaisage, sûrement sur Blood Money. DBD, ben, ce serait des gains. Sûrement Survivor, peut-être Killer un peu. Je sais pas. Star Wars Clone Wars, ce serait genre faire le mode Wave. Un bout, je l'ai pas fait. Je l'ai genre Star Wars Clone Wars, je sais qu'il marche sur ma 3.6. Mais ils l'ont mis rétro-compatible, mais je sais pas si mon CD marche sur la série X. C'est un CD genre Tetris plus Star Wars Clone Wars, fait que je sais pas s'il va fonctionner. S'il fonctionne pas, c'est pas la fin du monde, je peux toujours y jouer sur ma 3.6. Deal or No Deal, c'est ça, ce serait une petite game. Ça risque de pas durer longtemps, là, c'est... ouais, ça risquerait de pas durer longtemps, Deal or No Deal, mais je suis comme... j'ai l'impression que ça va être de la merde. Guitar Hero, j'ai l'impression d'avoir être malade, ou c'est genre le monde va trouver ça genre malade, ou comment dire, c'est de la calisse de merde. Ça ne fait plus jamais ça. Ça va être genre soit une des deux réactions.
Bah, tu sais, j'aime bien ça, essayer des nouvelles affaires sur ma chaîne des fois. Là. Ouais. Pas tout le temps faire tout le temps la même affaire. J'aime ça faire la même affaire souvent, mais des fois j'aime ça un petit peu de changement sur ma chaîne, puis essayer des affaires que j'essaye jamais. Peut-être que ça marche pas pantoute, mais au moins j'ai essayé. C'est comme quand j'avais. Un moment donné, j'avais comme. Je sais pas comment je suis tombé là-dessus sur YouTube. À un moment donné, j'étais tombé sur un trailer de Pajama Party. Pyjama Party, là. Un jeu de Wii. Puis, je pense que c'est comme, j'ai regardé la liste de jeux de Wii, puis j'étais comme, c'est quoi ça, cette affaire-là, un Pyjama Party? J'ai été voir des vidéos de ça, puis j'étais tombé sur le trailer, puis j'étais comme, allez, allez. Serais-tu malade si je mettrais ma face sur une des filles, comme, dans le trailer? Puis j'étais comme, faut que je le fasse. Puis là, j'ai gossé comme un 2 heures pour faire ça, là. Je trouvais ça valait la peine. Au début, je trouvais ça super drôle. La soeur, je le regarde, puis comme, bon, c'était cool à faire. C'est de quoi qu'il y a bien du monde qui aurait pas osé faire ça. Mais moi, j'étais comme, faut que je l'essaye. J'ai vu que j'ai eu l'idée, faut que je le fasse. C'est une vidéo que j'avais mis comme. Comment dire? Tu sais, comme quand le monde arrive sur ma chaîne, c'est comme la première vidéo que le monde voyait. Fait que c'est. Comme. Le monde vont trouver ça fucké, mais quand c'est ma chaîne. J'ai mis ça pendant un bout de temps, jusqu'à temps que je pense que je mette la vidéo de Wario. Je me souviens pas que j'avais avant ça. Avant ça, c'était peut-être genre une vidéo genre normale d'intro que j'avais faite il y a très longtemps de ça. Mais il semble que c'était ça, là, avant la fin de Pajama Party. On va faire des Pyjama Party que Pajama. Pajama. Comment le prononcer? On va dire Pyjama. Il me semble que c'est ça. C'était avant Pyjama Party. C'était comme une vidéo bien normale. J'ai d'autres idées aussi. J'avais eu une autre idée à un moment donné, mais j'étais comme, je l'ai toujours pas faite. Je me dis ça, ça va être du calice de gossage. Ça me prendrait genre un écran en barre pour faire ça. Puis ce serait. L'idée est bonne, je trouve. Mais. C'est le temps que ça me prendrait, puis c'est ça. Ça me prendrait vraiment un genre de fond vert pour faire ça. Sinon, ça va être de la merde. Puis non seulement ça me prendrait un fond vert, mais ça serait genre beaucoup de gossage. Tu sais, mettons, l'affaire de Pyjama Party, de juste mettre ma face sur une des filles, puis changer un petit peu ma face de temps en temps, puis la déplacer. Ça m'a pris 2 heures, fait que l'autre affaire que j'avais en tête, c'est comme, ça allait me prendre genre une journée ou des semaines à faire. Pour une vidéo genre de 2-3 minutes. Peut-être que ça serait pas si long que ça. Peut-être en une journée, je serais capable de faire ça, mais j'ai l'impression que ça me prendrait genre des semaines à faire. Je l'ai toujours pas fait. Je l'ai encore en tête. Ça fait comme peut-être un an ou deux que j'ai ça en tête, mais je l'ai toujours pas fait. C'est en regardant genre une vidéo de karaoké de Yakuza. Que j'étais comme, ben, faut que je fasse de quoi de similaire, mais genre par moi-même, pis c'est ça, je l'ai toujours pas fait. C'est ça, il y a une couple d'affaires sur ma chaîne, que il y a des affaires que j'aimerais ça faire, mais le problème c'est que ça coûte de l'argent ou ça te prend du monde pour faire ça, tu peux pas faire ça tout seul, pis j'ose pas demander à du monde, surtout genre. Je me sentirais mal de demander à du monde de m'aider pour faire ça, puis de pas pouvoir les payer. Si jamais ma chaîne marcherait au bout, ça me dérangerait pas de payer du monde pour m'aider à faire des affaires sur ma chaîne. Mais vu que ma chaîne n'apporte pas tant que ça, vu que ma chaîne ne me rapporte pas tant que ça, je trouverais ça, ben, je trouve que ça vaut pas tant le coup de demander à du monde, genre, hey, peux-tu m'aider à faire ça, je vais te payer. Et au final, ça me coûte plus cher faire la vidéo que ça va me rapporter. Je veux que ce soit plus l'inverse. Ou pas nécessairement que la vidéo va me rapporter plus que qu'est-ce que elle m'a coûté. Mais tu sais, si ma chaîne peut prendre le coup, on pourrait dire. Puis admettons, je fais une vidéo, puis la vidéo elle me coûte, admettons, 200$ à faire. Puis au final, après comme une couple d'années, la vidéo m'a juste rapporté genre 50$. C'est pas rentable. Mais d'un côté, si ma chaîne. Elle fait comme, admettons, exemple, admettons, ma chaîne, elle ferait genre 1000$ par jour. Ben, je trouve que, oui, j'aurais perdu de l'argent sur cette vidéo-là, mais au final, avec la chaîne permet genre de couvrir ces dépenses-là, on pourrait dire.
Mais là, c'est pas le cas. Là. Je fais pas beaucoup d'argent par jour. Je fais de l'argent à chaque jour sur ma chaîne YouTube, mais c'est pas grand chose que je fais. Genre, pas assez pour lâcher ma job. Écoute, peut-être un moment donné, je vais être rendu à une étape de dire comme, ok, je fais pas beaucoup d'argent, je peux pas payer le monde, mais je peux peut-être payer la pizza au monde, genre du resto ou de l'alcool au monde pour m'aider à faire certaines vidéos. Ça serait comme une étape genre entre les deux là. Entre les deux. C'est une étape genre avant de payer du monde vraiment avec de l'argent. Mais je suis pas rendu là. Là. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, je voulais faire une vidéo, genre filmer. Ça, ça fait une couple d'années que ça j'ai ça en tête. Puis, c'est une idée que j'ai vue sur qu'une autre chaîne avait fait ça. C'est tu joues à Donkey Kong 64, mais que chaque personne contrôle un des personnages. Fait que, mettons, t'es genre 5, moi, mettons, genre. Mettons, au début de la game, on brasse un dé. Moi, je brasse, mettons, un. Fait que là, moi, c'est moi je suis Donkey Kong. Un de mes amis, il brasse un 3, ben lui, il est Tilly Kong. Et qu'un brasse un 2, ben lui, il est Diddy Kong pour le reste de la game. Fait que ça fait en sorte que, genre, tu joues à Donkey Kong sur 3-4, mais tu peux juste jouer un personnage. Et le but, c'est genre de finir le jeu, puis genre, t'es chaque personne a son personnage. Ça, c'était de quoi j'avais... Ça fait ça. C'est ça, ça fait une couple d'années que j'ai ça en tête, parce que j'avais vu une chaîne faire ça, puis j'étais comme, wow, c'est vraiment malade comme idée. Wow, j'ai jamais pensé à faire ça. Mais c'est ça, je l'ai toujours pas fait, ça, puis j'avais déjà pensé à le faire un moment donné, puis à me dire comme, ok, si je le fais, je vais juste faire en sorte, genre, de payer le monde en alcool, puis de faire comme, ok, ben, plus on avance dans le jeu, plus vous avez d'alcool, genre. De payer du monde avec de l'alcool, mais c'est pas tout le monde que, genre, j'ai l'impression que j'inviterais du monde, puis il y a du monde qui s'encaisserait de moi, puis comme, paye-moi de l'argent, ou paye-moi en pote, ou je sais pas, là. C'est sûr, ça serait. Ben, j'ai l'impression que j'aurais du fun à faire ça. Pis ça, c'est comme. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être du monde qui vont genre décrocher avant la fin du jeu. Pis ça, je trouverais ça vraiment en poche. Surtout qu'à mettons finir Donkey Kong 64. Parce que mon but, ce serait pas de finir à 100%. Ce serait juste de genre finir Donkey Kong 64. Pis j'aurais juste peur qu'il y ait du monde qui sont juste vraiment pas bons. Pis qui seront pas capables de genre de faire certaines tâches obligatoires, genre battre des boss, parce qu'il y a des boss que c'est certains Kong qui doivent les affronter, fait qu'à mettons tu te rends un boss puis que la personne n'est pas capable de battre le boss, ben t'es dans la marde. C'est un jeu de 64 destiné aux enfants. C'est encore drôle, hein? Peut-être des amis qui seraient pas capables de battre certains boss. Puis je peux comprendre, mettons tu meurs une couple de fois au boss, mais genre de t'es pas capable de battre le boss pendant 3 heures. Sur Donkey Kong 64, là, ouf. Je me souviens que le boss de Pancarte à la fin, il est vraiment, je l'avais trouvé vraiment rough à battre. Puis King Carol à la fin aussi, qui est vraiment rough. À mes souvenirs. Mais l'affaire de Pancarte, au moins, ça c'est un boss que tu fais en, c'est un boss que tu fais à 5. Ben, je dis tu fais à 5, mais genre... Comment dire? Chaque personne... a sa chance contre le boss, à mes souvenirs. À mes souvenirs. Alors, je sais pas, je me souviens pas si quelqu'un. Si tu manques King K. Rool, est-ce qu'un de tes singes est mort ou ça. Ben genre. Est-ce qu'un de tes singes est mort ou t'es genre carrément game over pour que tu recommences le boss? C'est comme des pancartes pis un genre de baril qui. Un genre de canon qui te permet de foncer sans pancarte. Mais. Si tu manques la pancarte, tu vas tomber dans le vide avec le canon. Je pense que ça fait juste enlever ton cogne. En tout cas. Tu manques, c'est comme une vidéo que je pense pas que ça va arriver de si tôt. J'avais aussi une autre idée que c'était comme une affaire de Mario Party, mais pas Mario Party. Mais ça, j'en parlerai pas plus. Ça, c'est une idée unique. Mais ça, je. C'est de quoi qui roule depuis encore plus longtemps, cette idée-là. Mais je l'ai juste jamais faite. Je pense que ça va juste jamais
avoir lieu, cette idée-là, parce que c'est... Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Faudrait que j'aille du monde pour faire ça. Il y avait aussi à un moment donné, je voulais faire genre des petites séries ou des genres de films ou des mini-films. Des genres d'émissions, genre pas vraiment reliées au gaming. Ça aussi, c'est de quoi qu'à un moment donné, je pensais faire. Je pense toujours le faire, mais c'est juste des affaires que ça me prendrait du monde. Puis faire ça tout seul, oublie ça. Là. Mais comme je dis, c'est ça, je veux pas m'embarquer dans des affaires que je. Tu sais, je veux pas embarquer du monde avec moi si je peux pas les payer pour faire ça. Je veux pas faire comme, ok, ben tu vas avoir 25% de qu'est-ce que la vidéo rapporte. Je veux pas faire ça non plus, parce que ça va être juste du paquet de trucs. Je veux juste genre, t'as ta paye, pis si t'as plus rien après ça. Là. Que d'un certain côté, si une je dirais comme ok, toi t'as 25% de la vidéo, toi t'as 10%, toi t'as 15%, après ça c'est de calculer à toutes les fois, ben. Tout le temps, genre ok, toi t'as tant d'argent qui te revient ce mois-ci, toi t'as tant d'argent. Encore là, c'est ça, si la vidéo elle rapporte rien, ben. Ils auront rien pantoute, là. Mais ça, comme à penser des affaires de même, j'y pense, mais comme je dis, ça c'est des affaires que. Ça risque de jamais venir sur ma chaîne. Puis si ça risque d'arriver, c'est puisque ma chaîne va devenir pas mal plus big que qu'est-ce qu'elle est en ce moment. Et comme je dis, c'est ça, payer du monde. Il faudrait que la chaîne rapporte assez pour que je sois capable de payer du monde. J'ai pas le goût de payer du monde puis que ça me coûte plus cher faire des vidéos que ça me rapporte. C'est pour ça que je dis que ces affaires-là, c'est des affaires que je pense pas que ça va arriver de si tôt. Ou peut-être que ça arrivera même jamais. De plus. Je sais pas trop quoi dire. Je vais peut-être aller vraiment sur Guitar Hero après ça faire ma vidéo de conneries que je voulais faire. C'est comme autre chose comme une connerie que j'ai faite il y a une couple d'années. À un moment donné, j'avais des Kinder Surprise chez nous. Mes parents avaient acheté ça. Ils avaient pogné. Pour faire des vidéos genre de unboxing de Kinder Surprise. Pis de... J'avais du fun à faire ça. Je l'avais fait comme une coupe. Pis... Juste pas une idée qui me donne moi. J'avais juste vu du monde faire ça sur YouTube. Pis je me suis fait comme, hey, j'ai des Kinder Surprise, je vais faire la même affaire. Je vais faire ça.
j'avais fait comme, c'est ça, j'avais fait des unboxings d'une coupe de Kinder Surprise, puis je mangeais le chocolat, puis j'ai même bu de l'eau dans le chocolat, j'ai même versé de l'eau dans un des chocolats, puis j'avais même aussi caché, genre, j'avais comme, parce que je parlais comme dans une des vidéos de Kinder Surprise, comme ce serait malade s'ils mettraient de l'argent dans Kinder Surprise, puis dans une des vidéos de Kinder Surprise, j'avais comme déballé le jouet, puis c'était comme de l'argent qu'il y avait dedans, que j'avais mis là avant. J'avais trouvé ça pas pire à faire, ça remonte à loin. Je pense que j'avais fait ça en 2014, 2015, peut-être même 2016. Ça remonte à... ça fait un bout que j'avais fait ça. Il y a d'autres conneries, il me semble, que j'ai faites sur ma chaîne. Là. Que c'est pas genre tant gaming que ça, ou que c'est un rapport du gaming, mais genre, un petit peu moins. Là. Je me souviens, il y avait une couple d'années aussi, quand je me promenais un peu plus, que je sortais un peu plus de chez nous, j'étais genre, je devrais tellement m'emmener une caméra pour des fois filmer des conneries avec mes amis, puis des affaires de même, puis mettre ça sur ma chaîne. Au final, j'ai jamais fait ça. J'ai pas nécessairement filmé des conneries, mais tu sais, des fois c'est comme tu te promènes, pis t'as de quoi de spécial, pis là tu veux filmer ça. Jamais vraiment fait ça, finalement, au final. C'était de quoi je me disais en plus, il y a une couple d'années, genre, je devrais tout le temps traîner, genre, bon. Une caméra. C'est pas nécessairement une caméra, ben. Quitte un téléphone avec une caméra ou une caméra. Quoi qu'à Star, ce serait plus genre un cellulaire qu'une caméra. Ou justement, c'est de quoi de spécial, une connerie. Ou de quoi dans le genre je peux filmer vite fait. Pis... que des fois tu peux prendre quelque chose super intéressant à filmer. Il y a peut-être d'autres mondes qui vont le filmer en même temps que toi. Mais si tu l'aurais filmé, tu aurais peut-être fait de l'argent là-dessus. Je vais essayer de trouver un exemple positif. Parce que j'ai des exemples en tête, mais c'est des affaires négatives. Je ne veux pas en parler. Trouver de quoi de positif à filmer. J'ai pas le goût de dire des affaires comme cette personne-là, mettons, a filmé genre du monde mourir, pis là, genre, elle s'est peut-être fait de l'argent avec ça. Je veux pas parler de ça, mais là, je viens de genre de dire de quoi de même, là, mais je veux pas donner d'exemple. Et bien, je sais pas s'ils ont fait de l'argent avec ça, là, mais. Quel exemple je vais donner? Ben, je sais pas, mais mettons. Lui de toile filante, là, quelqu'un filme ça, pis c'est. Une aurore boréale en même temps. Tu filmes ça, pis. Quoi qu'il est rare, je sais pas si c'est vraiment rare, là, mais il me semble que c'est rare. Parce que c'est rare en crise dans ma chambre, j'en vois jamais. Faut m'en changer de sujet, si tu m'as trouvé quelque chose d'autre à dire. Ah, m'aller le venir. Ça, c'est un bon sujet, leveler.
welcomes. Very then take. Ok. Fait que je peux leveler une shot, puis il m'aimerait ça, genre 8000 armes, que je vais sûrement utiliser pour acheter des calices de flèches, qui me redonnent une arme par flèche que je revends. Ok. Donc, le stat que j'augmente est. L'endurance. C'est bon, ça. Fait que ça va augmenter un petit peu mon stam, un petit peu de défense au lightning. Et ça va augmenter un petit peu ma résistance au bleed. Je pense, la défense et la résistance, je pense pas que ça va m'aider contre les deux boss, mais un petit peu plus de stam, ça va pas faire de mal. Ça risque de m'aider un peu. On augmente ça. Là par contre, je vais pas tout de suite. J'ai pas le goût de m'essayer tout de suite contre les deux boss que j'ai à battre. Je pense que qu'est-ce que je vais faire? Je vais farmer un peu, puis après ça, je vais switcher de jeu. Peut-être aller voir sur Facebook, genre, il y a peut-être du monde qui écrive de quoi pour gamer en soir, mais ça me surprendrait. T'sais, moi, je suis comme en vacances, mais la plupart du monde n'ont pas de vacances demain, je pense. Ouais, fait que je vais farmer un peu. Puis c'est ça, je vais switcher de jeu après ça. Je vais essayer de faire l'affaire des Guitar Hero. Ça se peut que je le fasse puis je le publie pas. Comme ça se peut, je le fasse puis je le publie. Ça reste à voir. On va checker ça là. Parce que d'un côté, je suis comme. Pis surtout, genre, il y a quelques semaines de ça, j'étais comme, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Puis là, genre, je trouve que c'est le bon moment pour le faire. Puis je suis comme, j'ose-tu le faire? J'ose pas. J'étais hésitant. Si jamais je le fais pas, je vais jouer à un autre jeu là. Je vais jouer à un autre jeu, mais je risque de retourner sur Dark Souls. Comme je dis, je travaille pas demain, j'ai une fin de semaine de 6 jours. Fait que. Bon, peut-être me coucher un peu plus tard à soir. Puis. Retourner sur Dark Souls tantôt. J'aimerais bien ça retourner sur Dark Souls tantôt. Hein. Ça veut pas dire que je vais le faire, là, mais en ce moment, il est quasiment 8 heures. On va checker ça. Peut-être que je retournerai pas là aussi. J'ai beau pas travailler demain, mais je suis tellement habitué de me coucher plus de bonne heure. Ben, je dis plus de bonne heure. Je suis habitué quand même de me coucher quand même de bonne heure. Ces temps-ci, on pourrait dire. Et des fois, c'est comme je fais des exceptions, puis là, je vais me coucher à 3-4 heures du matin. Ça me semble depuis comme quelques semaines, je me couche quand même de bonne heure. Puis bien quelques semaines, peut-être depuis 2 semaines à peu près. Je me couche pas tant tard que ça, il me semble. Peut-être des shots 2-3 heures du matin dans le top. Même.
Ouais, dans pas long, je vais arrêter Dark Souls. Je vais pas l'arrêter pour un soir, comme je dis, je vais sûrement jouer tantôt, là, mais. Ça va vraiment dépendre. Parce que si jamais je me fais une game de Mario Party après mon affaire de Guitar Hero, ça se peut que j'y joue pas. Mais si je joue à un jeu qui est plutôt court, ça se pourrait que j'y joue. Ça va vraiment dépendre, là, parce que comme c'est ça. Mario Party, si je fais une game, ça va être une game de 30 tours, fait que ça risque de durer 2 heures. Je pense que c'est à peu près 2 heures, là, une game de Mario Party 30 tours. Ça, c'est si j'y joue. Ou peut-être je vais même jouer à Mario Party 1, mais ça me surprendrait bien gros que je joue à Mario Party 1. Je serais beaucoup plus de jouer à Mario Party, le nouveau qui est sorti, là, que je tiens jamais du nom. Je pense que c'est Super Mario Party. Ça, c'est l'autre Mario Party. Super Mario. Mario Party Superstar, je pense. Je pense que Super Mario Party, c'est l'autre Mario Party sur Switch. Je suis plus sûr. Mais le pire, c'est ce Mario Party-là. Là, je l'ai acheté. T'sais, comme je disais, j'essaie d'économiser, c'est de moins dépenser dans les jeux vidéo, puis t'sais, je dis j'essaie d'économiser dans les jeux vidéo, mais genre, t'sais, je fais des exceptions. Surtout quand ils sont pas trop chers, les jeux. Je suis plus porté à acheter des jeux moins chers. Même si c'est des jeux pas tant bons que ça, je suis plus genre à prioriser ces jeux-là qu'à acheter des jeux genre 90$. Une des grosses raisons pourquoi j'ai pogné Mario Party, c'est parce que je voulais. Il me fallait un casque d'écoute. Mon casque d'écoute avait de la misère. Genre, il fonctionnait, mais il fallait que je gosse un peu avec le fil, puis des fois, c'est comme un écouteur sur deux qui marche. Fait que je me suis dit, je vais me pogner un autre paire d'écouteurs. Sauf que sur Amazon, ça me prenait genre 35$ pour sauver sur le shipping. J'étais comme. Je vais me trouver quelque chose à commander avec. Fait que j'ai commandé Mario Party. Il me semble que c'est ça que j'ai fait. Je pense que j'ai eu comme deux commandes sur Amazon en peu de temps. Puis, je pense que celle-là, c'était avec le. J'ai commandé Mario Party sur un casque d'écoute. Mais je me souviens d'avoir commandé aussi. Je pense que l'autre commande que j'avais faite, c'était Tony Hawk Pro Skater 1 et 2. Volume 3 puis 4 de Beavis et Butthead. J'avais tout commandé ça pour sauver le free shipping. Mais ça, je pense que je voulais les Beavis et Butthead en priorité. Puis c'est comme, je savais pas trop quoi commander en plus, que j'avais commandé Tony Hawk. Même affaire pour le casque d'écoute, je savais pas trop quoi commander avec ça. Fait que je me suis dit, je vais pogner Mario Party. C'était tout ça pour sauver le free shipping. Fait que j'ai acheté un jeu à 90$ pour sauver sur le shipping qui m'aurait coûté 5$ de plus, genre. C'est stupide dans même mon affaire. Tu sais, mettons, je regarde. Je vais aller regarder, voir vite fait. Combien m'ont rapporté mes vidéos de Mario Party que j'ai faites? Ça doit pas m'avoir rapporté grand chose. Mario Party. Je dois pas en avoir fait grand non plus. J'ai joué. J'ai pas fait tant de vidéos que ça de Mario Party. Je n'ai fait genre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai fait 11 vidéos du nouveau Mario Party. Je suis vraiment curieux de voir combien ça m'a rapporté ces vidéos-là, mais le jeu doit m'avoir coûté plus cher que ça m'a rapporté. La date, je calcule un 19 cents pour une des vidéos. Next.
11 cents. J'ai rien à calculer là. Ensuite 5 cents. Celle-là. Oh, celle-là, c'est la celle qui m'a rapporté le plus. 34 cents. 34 plus. Attends, là, je suis plus trop sûr. Là. Ça, des fois, c'est quoi que je faisais? Justement, quand j'avais acheté. Quand j'avais acheté Super Mario 3D World plus Bowser Fury, c'était un jeu qui m'avait coûté 90$. Puis quand je faisais mes vidéos, durant cette semaine-là, puis les semaines à venir, j'étais comme, je calculais combien mes vidéos m'avaient rapporté à peu près. De voir si c'était rentable mon affaire ou pas. Au final, ça a été rentable. Là. Ça n'a pas été rentable dès la première journée que j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus, mais genre. Ça m'a pris comme une couple de semaines ou peut-être quelques mois, puis à un moment donné c'était comme mes vidéos m'avaient rapporté plus que qu'est-ce que le jeu m'avait coûté. Mais j'ai fait comme une centaine de vidéos sur Bowser Fury. Fait que, ouais, ça m'a rapporté 34 cents. Oups. 1, 2, 3. Il y en a une que je vois pas ici. Celle-là, c'est celle-là. Il y a une à shot ici. Celle-là m'a rapporté 23 cents. Je vais vous dire le montant final que ça m'a rapporté ces vidéos-là. Là. Je suis vraiment curieux. Il y en a une qui m'a rapporté 6 cents. En date, ils m'ont tous rapporté quelque chose. Mais 6 cents, c'est pas grand chose. Celle-là m'a rapporté 12 cents. Un autre qui m'a rapporté 6 cents. À moins que je me suis trompé et que j'ai cliqué deux fois sur la même vidéo. Celle-là, 31 cents. Un autre qui m'a rapporté 6 cents. Celle-là, 23 cents.
Fait que tu sais, pour un jeu qui m'a coûté 90$, à la date, le jeu m'a rapporté genre 1,76$, mais tu sais, c'est un jeu que je risque de refaire d'autres vidéos dessus. C'est ça, je risque de refaire d'autres vidéos sur Mario Party, puis ouais, c'est ça. Mais tu sais, au fil du temps, ce que je me suis rendu compte, c'est vraiment le best pour rentabiliser un jeu, c'est vraiment de faire beaucoup de vidéos dessus. Puis si le jeu il coûte rien ou qu'il est vraiment pas cher, c'est encore plus facile. Il y a des jeux à 90$. À part Bowser Fury, Mario Odyssey, là, je pense que j'ai aucun jeu à 90$ que j'ai payé que ça a été rentable pour moi de les acheter pour faire des vidéos dessus. En règle générale, c'est comme ça me coûte plus cher le jeu que les vidéos que ça va me rapporter. Mais la raison pourquoi Bowser Fury puis Mario Odyssey ça a été rentable, c'est parce que j'ai fait énormément de vidéos sur ces jeux-là. Fait que ça aille. C'est sûr que même si tu fais beaucoup de vidéos sur un jeu, ça veut pas dire nécessairement que tu vas être capable de le rentabiliser si personne ne regarde tes vidéos. Parce que je pense mes vidéos Mario Odyssey puis Bowser Fury, je pense que j'en ai des vidéos qui m'ont rapporté genre 0 cent. Je dois en avoir. Mais c'est comme qu'il y en a qui m'ont rapporté comme une couple de piastres. Mais le best vraiment là, pour rentabiliser les jeux, c'est ça, faire beaucoup de vidéos sur ces jeux-là. Puis moins ton jeu coûte cher, plus c'est facile à rentabiliser. Ça, c'est de quoi je me suis rendu compte au fil du temps. Je pense que je m'en suis rendu compte assez vite, mais je m'en rends de plus en plus compte. Puis, même que des fois, genre, ça fait un bout que j'ai pas calculé ça, mais à un moment donné, je calculais comme, ok, combien de vidéos j'ai sur ma chaîne YouTube, puis combien d'argent ma chaîne YouTube m'a rapporté. Puis là, j'avais fait comme une moyenne de, ok, une vidéo en moyenne me rapporte tant d'argent. Fait que là, mettons, j'avais fait comme le calcul, ok, ça c'est le genre de jeu, je vais faire une vidéo dessus, ça vaut-tu vraiment le coup de l'acheter? Ah, ce jeu-là, je penserais faire autant. Là, mettons, 50 vidéos, vu qu'en moyenne, je fais tant d'argent par vidéo, ça pourrait être rentable d'acheter ce jeu-là. C'est des affaires de même. Ça fait longtemps que j'ai pas calculé, mais la dernière fois que j'avais calculé, c'était comme, en moyenne, je faisais comme une couple de cents par vidéo. Ça risque d'être encore le cas, mais ça risque d'être un peu plus à ce temps. Je pense pas que c'est à coup de dollars que. Hey, c'est encore drôle. Je fais peut-être genre une pièce par vidéo en moyenne. À ce temps. Peut-être un peu moins qu'une pièce, je sais pas. Je pense que c'est un peu moins qu'une pièce, mais c'est pas loin d'une pièce par vidéo en moyenne. Mais tu sais, comme j'ai dit, là, mes vidéos Mario Party m'ont pas rapporté une pièce. Mais tu sais, c'est comme. Certaines vidéos font en sorte que ma moyenne monte, puis certaines vidéos font en sorte que ma moyenne descend. Un autre jeu qui m'a coûté genre cher, qui a été rentable, c'est Dreams. Dreams, c'est un jeu que j'ai payé 90$. Ben, il me semble qu'il m'a coûté 90$, parce que je l'ai acheté, il me semble, à la semaine de sa sortie. Puis au final, ça a été super rentable, ce jeu-là. Le pire, c'est qu'au début, je me disais comme, ça vaut-tu vraiment le coup, tu sais, j'ai Roblox. Puis j'étais comme, ah, ça risque d'être un genre de Roblox, fait que ça risque d'être rentable de l'acheter. Et effectivement, là, ça a été super rentable. Ça a pris un bout de temps, je pense, avant que moi, mes vidéos de Dreams rentabilisent le jeu, mais ça s'est fait quand même assez vite. Je pense que ça s'est fait, je dis assez vite, mais genre, ça a pris comme une couple de mois, au maximum un an avant que ce soit rentable. Game Builder Garage aussi, je l'avais fait, quand je l'ai acheté, je me disais comme, c'est pas un jeu que j'ai payé 90$, Game Builder Garage. Je pense qu'il coûtait 40$ à sa sortie. C'était le genre de jeu que je me disais, ça aussi, c'est un jeu que je serais capable de rentabiliser. Puis j'ai réussi à le rentabiliser, mais genre de justesse, je pense. Et je me suis pas mal forcé aussi pour essayer de le rentabiliser. Genre à plus jouer à ce jeu-là, justement, pour essayer de le rentabiliser. C'est un jeu, ça fait un bout que j'ai pas joué. Là. Comme je disais, là, ce jeu-là, il est pas payé Game Builder Garage, mais le gros problème, c'est le fait que c'est super dur de jouer à la création du monde. Tu trouves le ID du créateur, puis tu trouves le ID de la création. Puis
c'est assez rough. Il faut fouiller dans les forums, puis sur des groupes Discord, des groupes Facebook, de checker des vidéos sur YouTube pour trouver des jeux qui t'intéressent. J'aurais pu juste faire un genre de une search bar dans le jeu pour trouver d'autres jeux. Mais ils l'ont pas fait. Mais peut-être que ça va s'en venir éventuellement. C'est pour ça que je trouve que Dreams est pas mal le jeu le mieux placé dans ce genre de catégorie-là. C'est même Roblox, qui est un jeu pas mal plus vieux que Dreams, devrait pas mal s'inspirer sur certaines affaires de Dreams. J'ai-tu bien dit ça? Roblox devrait s'inspirer un peu de Dreams. Je crois que Dreams devrait aussi s'inspirer un peu de Roblox. Ce serait pas pire si, mettons, des créateurs pourraient se faire de l'argent avec leur création sur Dreams. Je trouverais ça pas pire, mais faudrait qu'ils instaurent genre des Robux, un peu comme qu'est-ce que Roblox a fait avec des Robux, puis que le monde peut acheter genre des affaires in-game ou des genres de cosmétiques. Peut-être plus des cosmétiques, parce qu'il y a des jeux dans Roblox, c'est quasiment juste genre de la grosse pub, là, genre d'acheter des affaires. Tu launches un jeu sur Roblox, puis des fois c'est comme achète telle affaire, puis comme Chris, j'ai même pas commencé à jouer au jeu, puis ils veulent déjà que j'achète des affaires. Mais je pense que les jeux qui m'ont rapporté le plus d'argent en faisant des vidéos sur ces jeux-là, c'est vraiment genre Roblox et Dreams. Je sais pas lequel des deux a été le plus rentable pour moi. Mais c'est vraiment, je pense, les deux jeux qui ont été le plus rentables sur ma chaîne. Puis je pense après ça, ce serait genre Mario Odyssey en troisième, je dirais. Là. Mario Odyssey, c'est parce que c'est genre un jeu que j'ai fait énormément de vidéos. Il y a genre 999 mondes dans le jeu, là. Je dois avoir fait à peu près 1000 vidéos sur ma chaîne YouTube juste sur Mario Odyssey. C'est beaucoup. Je dis 1000, je sais pas s'il y en a vraiment 1000, mais je pense qu'il y en a même un petit peu plus que 1000 vidéos de ça sur ma chaîne. Mais j'avais vraiment eu du fun à faire ces vidéos-là. Là. Ben généralement, j'ai du fun à faire mes vidéos, mais il y a des jeux que je me force un peu plus. Pis, genre exemple, Tumblestone. C'est un jeu où j'avais eu bien du fun à faire des vidéos guides dessus, genre en 2016. Mi-2016. Mais plus j'avançais dans le jeu, plus je commençais à être écœuré pis tout. Mario Odyssey, j'ai pas eu ce feeling-là d'être écœuré, de faire des vidéos sur le jeu. Il y a d'autres jeux de même que j'ai fait des vidéos guides puis j'étais pas en tout écœuré, là. Mario 64, Mario Sunshine. Mario 64 DS, par exemple, à un moment donné, j'étais comme pas mal écœuré vers la fin. Ça m'a pris comme un bout de temps avant de revenir. Tu sais, des fois, ça m'arrive, ça. Même Donkey Kong Country 3, ça a fait la même affaire. J'avais bien du fun à faire des vidéos guides, et puis à un moment donné, je me suis écœuré, je suis retourné dessus, je me suis réécœuré. Je risque d'en refaire à un moment donné, mais quand, je sais pas. À peu près, je pense au tiers du jeu à Donkey Kong Country 3, puis à un moment donné, je vais recontinuer. Kirby Dream Land 3 aussi. Des fois, je m'écœure. Genre, Kirby Dream Land 3, dans le fond, je m'avais écœuré parce que j'étais comme rendu à un niveau que j'avais comme essayé, puis j'avais pas réussi à le faire en vidéo guide. J'avais pas réussi à faire comme une vidéo qui me satisfaisait. Fait que ça tourne en rond, puis ça tourne en rond, c'est genre. Il est comme mis de côté ce jeu-là.
Donkey Kong Country 3, c'est juste que je me suis écœuré. Mais je risque d'y retourner éventuellement. J'avais retourné il y a pas si longtemps que ça. Après, genre, après avoir lâché le jeu pendant comme un an et quelques. Mais ouais, je vais y retourner là, éventuellement. Et pour moi, mettons, un jeu que je lâche, je vais pas dire que je vais le lâcher pour de bon. Là. Je suis genre à switcher le jeu et à revenir sur des jeux que ça fait des années que j'ai pas été dessus. Là. Des fois, je prends un trip. Tu prends Donkey Kong Country 2, ça je l'ai fait comme d'une traite, ça m'a pris à peu près un mois à faire des vidéos guides dessus. Je dis un mois, mais je pense que c'est même un petit peu moins qu'un mois. J'ai comme le souvenir de l'avoir... J'ai le souvenir que Donkey Kong Country 2 est sorti, puis le mois d'après Donkey Kong Country 3 est sorti, fait que je pense que ça m'a pris un petit peu moins d'un mois avant de faire toutes les vidéos guides que je voulais faire sur Donkey Kong Country 2, puis ça c'était un jeu que j'ai eu bien du fun à faire des vidéos guides. J'ai eu bien du fun aussi avec Donkey Kong Country 3, mais comme je dis, genre, je me suis comme écœuré un peu, puis après ça, j'ai rejoué un peu, j'ai fait comme une couple de niveaux, je me suis écœuré, puis c'est ça. Je trouve ça le fun de faire des vidéos guides de jeux. Là. J'ai du fun aussi à faire des longs plays. Je pense que j'ai plus de fun à faire des vidéos guides que des longs plays. Parce que des vidéos guides, le gros avantage des vidéos guides, c'est comme c'est short. Puis, c'est ça. Je trouve qu'il y a des vidéos guides, c'est un peu plus long que d'autres. Mais t'sais, comparé à un long play où tu joues au jeu pendant 10 heures, versus faire un vidéo guide qui va me durer genre 5-10 minutes à faire, je préfère faire des vidéos guides. Comme ça, mettons, je m'écœure, je fais des vidéos guides, mettons, d'un jeu pendant comme une heure ou deux, ou peut-être même une demi-heure, puis si je m'écœure, ben je m'écœure, puis j'arrête ça là. Un long play, je me sens comme obligé de continuer, puis tout. J'aime ça en faire, mais... Ce que j'aime surtout avec les long plays, c'est comme j'ai comme une playlist de ça sur ma chaîne, puis je trouve ça le fun d'en rajouter des jeux dans cette playlist-là, mais... Je trouve ça rough à faire. Dépendant des jeux, il y a des jeux c'est pas tant rough, puis il y a des jeux c'est long, puis c'est pas si rough que ça à faire. Mais il y a des jeux, je suis comme, je fais mon long play, puis je t'écœuris, j'ai juste le goût de lâcher, puis je me dis pourquoi je me sens embarqué dans ce jeu-là. J'ai un jeu en tête, je le dirais pas c'est quoi le jeu, là. Mais j'ai un jeu en tête, puis je suis sûr qu'il y en a d'autres jeux que genre, je regarderais ma liste, puis je me dirais, ah ouais, il y a ce jeu-là, puis ce jeu-là, mais il y a des jeux que je me tiens, genre. Dès le début du jeu, j'étais comme, Chris, c'est dans quoi je me sens embarqué, puis tout. C'est ça, il y a une couple de jeux de même, mais il y a des jeux que ça va être des crises de long jeu. Je me suis embarqué là-dedans, puis j'étais bien content de m'avoir embarqué là-dedans. Exemple, Wind Waker, que j'ai vraiment eu du fun à faire un long play là-dessus. Ça, c'était vraiment le fun. Dead Rising aussi, j'avais eu du fun. Ben, c'est ça, il y a eu des jeux là que. Je faisais le long play, puis quasiment dès le début du jeu, j'étais comme déjà écœuré. En gros, là, j'ai vraiment un jeu en tête, là. Ben, c'est sûr qu'il y en a d'autres, là, je regarderai la playlist, puis il y en a un paquet. Il y a des jeux que je me dis, c'est pas si pire. Il y a des jeux que j'ai trouvé que c'était de la merde à faire en long play, mais j'étais comme, le jeu est tellement pas long, c'est pas si pire, là. Quand tu fais un long play, la vidéo dure genre une demi-heure, c'est pas si pire. Là. Ça va être un jeu de merde, une demi-heure c'est pas long, mais quand t'es pogné sur un jeu pendant genre 8-9 heures, là, c'est. T'es écœuré au bout depuis genre. Quasiment le début du jeu, c'est poche. Mais ça m'est aussi arrivé d'abandonner, de faire des long plays, mais généralement quand j'abandonne, c'est parce que genre. Le jeu est trop dur ou je manque de temps. Là. C'est souvent ça. C'est pas parce que genre le jeu est merdique. C'est souvent quand le jeu est merdique, je me dis comme. Continue, puis va le faire jusqu'au bout. Je vais essayer je me force pour le faire, pour au moins comme ça va être fait. Pis, that's it. Là. Le pire, c'est que mes vidéos long play, là, ils me rapportent tellement pas beaucoup d'argent, c'est ça le pire. Genre, ça me rapporte de l'argent faire des vidéos long play, mais il y a beaucoup de vidéos long play que j'ai faites que je peux pas monétiser. Pis ça, il y en a comme une coupe.
c'est assez poche, là, surtout quand c'est des jeux que ça me prend des heures à faire. Là. Ça me tentait pas tant que ça non plus à les faire. Ouais, je voulais juste farmer un peu, puis au bout final, j'en peux le parler. Des fois, je passe sur un sujet, là, puis je m'arrête. Ça passe vite, le plus c'est quand je fais ça. Là, je regarde mes ombres, je suis comme à 230 000. 239 000. Ça passe vite, là, des fois, quand je parle d'un sujet. Là. Ce qui est long, c'est quand je parle pas, puis je fais juste farmer, là, ça, je trouve ça long. Ouais, fait que, ouais, je vais arrêter ça, là. Je vais essayer de faire ma vidéo Guitar Hero. Je vais peut-être abandonner avant de la faire, ou je vais peut-être la faire, puis je la publierai pas. Je vais checker ça. Ça me... Je me dis, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Mais est-ce que je vais vraiment le faire, je sais pas. Fait que, that's it. Je vais arrêter ça, là. Bye bye, je vais peut-être rejouer à Dark Souls tantôt, refermer un level, puis après avoir fermé un level, je vais peut-être m'essayer contre les gens, ça va dépendre. Si je après avoir fermé un level, si je prends un stat comme genre Attunement, Fate, Intelligence ou Lock, ça se peut que je vais me dire comme ok, je relevel up. Mais quoi que tantôt j'ai levelé, puis ça m'a donné endurance, puis au final j'ai fait comme ah, je vais releveler. Ben, je pourrais me réessayer tantôt, même si je prends un stat de marde. Ouais, donc c'est ça. Là, j'arrête ça là. J'ai décidé. J'arrête ça là pour asseoir. Mais peut-être que je vais revenir tantôt. Plus dark ça. Mais bon, à date, ça s'enligne pas pire pour peut-être battre les boss en fin de semaine. Puis quand je dis en fin de semaine, pour moi, la fin de semaine, elle commence.